Salutations, bienvenue à vous. Je vous présente Evan 10 Ocean. C'est un jeu indépendant dans le genre action-aventure RPG. Ce jeu a été développé par Analgesic et édité par Rataleta Game. Il est actuellement disponible en solde au prix de 9€ au lieu de 15€. C'est relativement cher. Je tenais à faire un guide. Donc, il est sorti le 19 août 2020. Le synopsis dit ceci: Alip, une technicienne de centrale électrique de Whiteforge City, découvre que son monde est chamboulé après une tournée d'entretien de routine qui tourne mal, maintenant travaillant directement avec le maire, Bix, pour faire face à une menace inconnue. Alip doit se battre en utilisant son nouveau pouvoir et son influence pour sauver la ville. Ce jeu comporte un total de 12 trophées, 11 en or et 1 platine. La durée approximative pour le platiner est de 10 minutes pour les plus rapides ou bien 25 minutes. Ça dépendra si vous prenez votre temps tout en regardant le guide ou pas. Pour sa durée approximative sans le guide, si vous jouez pleinement le jeu, il faudra compter à peu près 6 à 8 heures quand même. Sa note de difficulté est de 1 sur 10 avec le guide. L'acheminement des trophées se présenteront ainsi. Faudra finir les 5 chapitres, 5 trophées y sont liés, utiliser le journal et visiter plusieurs lieux qui sont la librairie, la casse, l'art d'institut de Whiteforge et la maison de la mère de Alips. Donc on va y aller, on va appuyer sur croix. On va aller dans New Game. Alors, avant que le jeu commence, s'il te plaît, sélectionne comment tu aimerais jouer le jeu. Alors, on va cliquer sur Word. Warp tout en bas. Remarque qu'une fois que tu décides, tu ne peux pas changer le mode de jeu. Tu as choisi de jouer dans le Warp mode. Est-ce correct? Hold on. Maintiens la touche croix. Le bouton croix pour confirmer. Alors, on va faire le choix Viewer Ending au milieu, tout en bas. On clique dessus. Ça va sélectionner tous les autres niveaux. On va ensuite sélectionner Dawn. On va la maintenir, cette touche. On devrait être téléporté directement dans les scènes de fin. Donc on va dire oui, on va maintenir cette touche. On va dire yes, on maintient la touche croix. Maintenant, on va aller dans le Speedrun option. On va faire un retour juste après. Voilà, donc c'est fait. On va dans Speedrun option. On va faire Fast Dialogue, Act plus Area Card. On sélectionne. On fait un retour. Maintenant, on va aller dans le Gameplay option. Et on va sélectionner tout en bas le Triple Speed. Et on fait un retour avec la touche rond. On va confirmer les paramètres, confirmer setting. On maintient la touche croix, on dit oui. On va se retrouver en jeu directement. On va appuyer sur la touche option pour faire tomber un trophée qui demande de visiter le journal. Voilà. Maintenant, on va aller au milieu ici. Apex Transit, on rentre, on appuie sur croix, on va choisir le dialogue de lieu Art Museum. On va maintenant aller au choix numéro 2, Look Around. Et maintenant, on va quitter Leave, choix numéro 1. On va faire le choix numéro 1, City Entrance. On va aller tout à gauche. On va aller au lieu Lower Area
transit, on appuie sur 3. On va aller à la librairie. Librairie, choix numéro 5. On sélectionne avec la touche croix. On va parler avec ce jeune homme. Talk to Librarium. Maintenant, on va quitter Live, choix numéro 1. On va aller au choix numéro 2, Murex Park. Il y a une cinématique de fin de jeu. Il faut patienter maintenant. C'est la fin du jeu, là. On a carrément spawné auprès de la cinématique. Je sais pas si on peut aller plus vite, mais je pense pas, non. J'ai beau toucher tous les boutons, il ne se passe rien. On est obligé de patienter et de regarder tout ça. Alors on dit off course, on maintient. Nous allons aller tout droit à l'extrémité en haut. Monte les escaliers. Continue à quitter les lieux. Alors là, on va monter en haut. Il faut aller ici. Alors comment s'appelle ce lieu? Alip. Parents, hommes, la maison des parents de Alip. Il y a un trophée qui va tomber, donc maintenant on peut quitter, on va tout de suite du côté gauche, on quitte les lieux. On va aller tout en bas de la carte, on va visiter un autre lieu, le Caravold Tunnel. On passe le pont ici, le bridge. Donc là on doit faire le tour. Voilà, on monte ici, Caravold Tunnel, Walt Forge. On dit yes, il y aura une petite cinématique. Alors on retourne dans le Caravol Tunnel, saute. Par le choix numéro 1, Northstern Continent. On va aller tout en haut. On va chercher le Eastern Ruin, un lieu. Non, c'est pas ça. C'est celui qui doit être de l'autre côté. Voilà, c'est ici. On clique dessus, Eastern Ruin. Maintenant, on va quitter le jeu. On va appuyer sur Option, Exit Game, maintenant. Donc, on fait sortir du jeu. Yes, retourner vers le titre. Et on va fermer le jeu. Donc, j'appuie sur la touche PS. Et je fais Option, fermer l'application. On retourne dans le jeu. Et plein de trophées vont tomber, il y en a 4. Juste à l'instant, dès qu'on arrivera au menu. Voilà, acte 1, il suivra l'acte 2, l'acte 3 et l'acte 4. Qu'on attend que les trophées tombent. Et ensuite, on va faire une nouvelle partie New Game. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va sur New Game. Hop. On va choisir l'emplacement numéro 1, New Game. Utiliser ce fichier, on dit Yes. On va aller à WAP. Oui, on dit Yes. Nous allons faire Restish Biche, le deuxième, Rest View Biche, hop, on sélectionne. Et on va choisir aussi Dawn. On met Yes.
on confirme maintenant les paramètres tout en bas au milieu. On met oui. Donc on attend et ensuite on va faire Leave. Quitter tout de suite, choix numéro 1. On va aller à Apex Transit juste en bas ici, juste à côté de nous. À nos pieds, il y a un nouveau lieu. On va aller au choix numéro 1, City Entrance. On va faire tomber un trophée, c'est le seul qui nous manque. On a 90% des trophées actuellement. On va aller tout à gauche, on descend les escaliers et on va aller à Lower Area Transit. On va faire le choix numéro 4, Junk Yard. On valide. Et puis c'est la fin, le platine va tomber. Et voilà, c'était très rapide. Je vais vous dire combien de temps ça m'a pris. 14 minutes parce qu'il y a quand même les cinématiques, on est obligé de visualiser. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salutations.